Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Donc, c'est ça ici. Donc, c'est parce que si j'aime pas le. On n'a pas les noms des pays. Attendez. Ok, c'est ça. On va juste faire une comparaison pour que vous soyez bien situés. Voyez-vous ici, c'est Israël ici. On a Israël justement qu'on voit là. Et ça ici, c'est la mer Méditerranée. La mer Méditerranée. Donc, vous voyez que la Turquie, c'est la partie qu'on verrait ici. La Syrie, c'est exactement, vous avez Israël, donc la Syrie et vous avez le Liban. Oui, c'est ça, le Liban, la Syrie un peu plus haute. Donc, toute la partie où ce que vous avez l'Irak, même une partie de l'Iran, c'est vraiment, ça s'étend de l'Iran, si vous voulez, en passant par l'Irak, en allant jusqu'à la Syrie, une partie de la Turquie, englobant la Jordanie, Israël, la bande de Gaza, etc. Autrement dit, eux, là, il n'y a plus d'Israël, là, ça n'existe plus, on proclame, ça nous appartient. Et moi, ce que je peux vous dire, ça nous fait penser à quelque chose. Bon, l'Empire Médo-Perse. J'ai ça ici. Donc, la Médie, si vous voulez, qui incluait les Mèdes et les Perses, eh bien, quand on regarde, dans la mer Méditerranée, voyez-vous, ça englobe. Et, curieusement, voyez-vous qu'eux, ils vont jusqu'en Europe centrale. Les Mèdes et les Perses ont touché une partie de l'Europe centrale ici. Vous avez la Grèce, et juste à la limite, ici on les voit, là, tout ce que le territoire qui est vert, ça englobait l'Égypte aussi. Mais, bon, Israël, etc., tout ce territoire-là ici, qu'on voit sur le bord de la mer Méditerranée. Eh bien, lorsqu'on regarde la déclaration du ISIS, eh bien, on a tendance à croire que c'est la renaissance de l'Empire médo-persien. Et ce qui est assez spécial, c'est que c'est l'Empire qui suit immédiatement l'Empire babylonien. Quand on regarde la statue de Nebuchadnezzar, on a la tête qui est l'Empire Babylone. Et immédiatement, le torse, eh bien, c'est l'Empire médo-perse. Ça va devenir important, cette information-là que je vous donne. Alors donc, et c'était vraiment quelque chose d'assez spécial que je voulais parler, que j'ai démontré dans ma série vidéo « La femme et le dragon » et qui démontre que vraiment les choses vont de l'avant dans ce que j'ai montré en grande partie, à tout le moins. Là, vous allez me dire qu'est-ce que ça a rapport avec le message que je vous donne. Ça, c'est de l'information. Je vois que des gens, pas qui s'impatientent, mais ils veulent savoir où est-ce que je vais avec tout ça. Vous allez comprendre à la fin. Ces notions-là vont vous servir à comprendre que la date du 20 juillet qui est annoncée par Mme Lagarde, eh bien, est extrêmement significative et basée sur l'information que je vous donne de l'origine des phrases qui englobent, qui entourent le grand sceau américain sur le dollar américain qu'on voit ici, eh bien, ils sont inspirés de l'éclogue de Virgile, le quatrième. À ce moment-là, je peux vous dire, on est vraiment, la date du 20 juillet est vraiment très, très, très significative. Alors, justement, le prochain point que je vais vous parler, et on rentre dedans, c'est
On va discuter de la fameuse conférence de Madame Lagarde concernant le 7 magique. Et je vais commencer le début du message final que je vais vous donner à cet effet-là.